Bonjour, bien bonsoir tout le monde, bienvenue sur Chanel là. Pabli, c'est Mathieu Matli, je vous ai présenté une vidéo pour que nous allons faire tableau trigonométrique là. Ok? Avant même de rentrer dans le tableau trigonométrique là, nous allons faire cercle trigonométrique là. Ok? Voilà. Sur axe A, c'est cosinus. Sur axe A, c'est cos. Sur axe A, c'est sin. Ok? Il y en a bien cos. Il y en a bien sin. Ok, 2 ici, A ici, en dessous c'est 2, 0, allez là, là, pi sur 2, et ici, pi, ici, 3 pi sur 2, ici, 2 pi. Ok, dans le premier quadrant, sinus positif, cosinus positif. Positif, positif. Ça c'est le premier quadrant. Dans le deuxième quadrant, sin positif, cos négatif. Ok, ça c'est le deuxième quadrant. Dans le troisième quadrant, cos négatif, sin négatif. C'est le troisième quadrant. Dans le quatrième quadrant, cos positif et sin négatif. Quand on va aller faire le tableau trigonométrique. On a pi sur 6, pi sur 4. Pi sur 3, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, 2 pi. Okay. Voilà, on a bien sin, on a bien cos. Ok? Ok, on a la première fois que nous avons fait 2 pi sur 6 à pi sur 3, on a mis 1. On y a là, il y a pi sur 2, nous allons déterminer sin pi sur 2, puis ça en fait, nous allons dans le tableau. Puisque pi sur 2 est situé sur le même axe que sin, donc voilà, l'axe vertical, il est positif tout, on met 1. Mais pi, on a pi là, le côté pi situé et puis le côté signé. C'est-à-dire qu'on va sur le même axe, on met la paille 0. Ici, pi négatif, la paille moins 1. Et sur 2 pi, c'est cos qui sous les sébastiens, on met la paille 0. Okay. Nous allons faire, nous allons diviser de pi sur 6 à pi sur 3 par 2. Divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2. Ensuite, nous allons prendre racine numérateur. Racine de 1, racine de 2, racine de 3. Ok? Nous allons finir avec sin. Nous allons faire le cos. Nous allons faire le cos, ça nous fait une valeur pi sur 3. Nous allons mettre pi sur 6, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2. Et valeur. Et pi sur 6, on met demi dans pi sur 3 qui va être racine de 1 sur 2 qui va être 1,5. Okay? Donc on va toujours retirer racine ça parce que c'est toujours même barre là, racine de 1 ça donne 1. Ok, on va aller dans le tableau, dans ce cas-là. Cos, mais côté pi sur 2, mais puisque pas sur le même axe, on met là-bas moins 0. Cos pi, mais pi ici, dans le cadre de ça, on va remarquer que pi négatif, là-bas moins 1. Pour 3 pi sur 2, pas sur le même 0. Pour 2 pi, 2 pi, mais puisque celui-là, il a le positif et puis là, pas moins. Là, pas moins 1. Ok? On a là, ça, c'est tableau. Ah, mais si on met sin et sin pi sur 6, mais sin pi sur 6, c'est même avec la 2, 1,5. Cos. Cos pi sur 6. Mais cos pi sur 6 avec la racine de 3 sur 2. Quelle est votre valeur de point là? Allez, nous tablons ça, on va faire. C'est extrêmement facile pour faire un tableau trigonométrique. On va juste appliquer tout petit samba et puis on va capable. Merci d'être sur la vidéo. Ou même pour faire ça, abonnez-vous à la chaîne et puis abonnez-vous à notre vidéo. Merci.